sur une ancienne grotte fossile, probablement funéraire. On a vu qu'il y a pas mal de restes, probablement peut-être plusieurs sur plusieurs années, périodes différentes, parce qu'il y a des morceaux de poterie un peu différentes avec pas mal de d'ossements. Voilà, donc on a pris des photos et puis bah, ça sera à la suite éventuellement aux Indonésiens de venir ici. Voilà, donc à la Nama, des Goa. Goa Tulang. Tulang ? Goa Tulang ? Yeah. Ah, Goa Tulang, la grotte des ossements en fait. Voilà, ok. Voilà, aujourd'hui 30 novembre, nous partons avec l'équipe Wawoni voir une ou deux grottes, a priori, avec dont une grotte avec une rivière. Voilà, bon, je dirai un petit peu plus tout à l'heure. Un peu de moto, un peu de marche, nous y voilà. Yes, electricity. Une partie de la rivière sort bien de la grotte. On va voir ça, où ça en est exactement. Contrairement à ce que je croyais, la petite rivière, ce n'est pas la rivière principale, c'est la grotte. C'est ok. C'est le most beautiful place in Wawoni, Wawoni Utara. Yes. And with my team, Nama, Goa Nama. Yeah. Ini nama gua ini adalah gua Muliwano, the cave of Muliwano. Di sini, di tempat ini, di Wawoni Utara, bersama tim kita ada Abdi, Jeffrey, dan saya sendiri Rico. Kami dari Langara, Wawoni Barat. Oke? Okay? Ya, yeah, oke. Okay. Ma bouche. C'est avec une GoPro. Alors, ma foi, on verra bien. On va avancer un petit peu. On sent la chauve-souris déjà. C'est... Ah, au moins, une belle entrée.
vient de traverser, c'est en fait un grand porche, avec la rivière qui traverse. Il y a plein de confectionnements, on voit à la hauteur le pont coincé là-bas, qui laisse supposer quand même en cru des crues importantes. Bon, la grande salle, il y a plein de chauves-souris. C'est un peu dégueu, à part que je me lave bien. Et une rivière, alors c'est marrant parce qu'il y a une rivière qui arrive par au-dessus et qui à l'intérieur. Et voilà, deux bras principaux de rivière. Donc, je vais traverser sur 200 mètres, 150 mètres. Mais le volume est intéressant. Ça laisse envisager quand même des belles choses ici. Voilà, en tous les cas, les paysages sont extra. C'est la fin de la route presque, on voit que ça coupe dur dans la forêt. Bon, moi ce coup-là, en fait je vais à pied. Voilà, comme ça c'est plus sûr. Sud de Wawoni. Bon, c'est assez très joli. Effectivement, on ne mettra pas le doigt dedans. Je ne sais pas à combien de degrés ça sort. Voilà, un endroit un peu incertain. Là, il y a une rivière fraîche qui coule et source d'eau chaude ici, que je vais vous montrer. Et...